Site de remise de jeux vidéo gratuits, plus simulateur PC Android. Bonjour à toutes et à tous, c'est M85. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler d'émulateurs de PC Android et également de ROM ISO à télécharger. Voilà, je vais vous montrer en fait où est-ce qu'on peut en avoir. Donc, pourquoi je parle aujourd'hui de tout ça? Bon, voilà, c'est un sujet que j'avais déjà traité en 2016, donc, à mes débuts sur YouTube. Donc, tu vois, si tu tapes sur Internet comment jouer à des jeux vidéo sur PC, et eh bien tu vas tomber sur quelques-unes de mes anciennes vidéos. Donc, tu vois, tu en as une ici, comment jouer à des jeux vidéo sur son PC, et il y en a également une autre qui est un petit peu plus bas ici, comment avoir des jeux vidéo et émulateurs sur PC. Voilà, donc aujourd'hui dans cette vidéo, eh bien je vais te remontrer un petit peu tout ça. Donc il faut le savoir que tout ce que je parlerai dans cette vidéo, tous les liens, tout ça seront situés dans la description en bas dès la fin de cette vidéo et également dans l'espace commentaire. Ce sera donc un lien qui redirigera directement, tu verras, sur mon site web. Tu descendras de la page comme ceci et tu iras jusqu'à l'espace où c'est marqué thématique de jeux vidéo. Tu verras, c'est beaucoup plus bas de la page, tu descends et tu récupères vraiment tous les contenus qui te conviennent. Il faut savoir également que dans cette vidéo, je vais te présenter une chaîne, voilà, d'une personne qui fait des unboxings, etc., etc. Voilà, donc je te présenterai ça en fin de vidéo, tu verras, c'est le petit bonus. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que voilà, tu vas certainement apprécier le bonus. C'est une personne qui fait pas mal de cadeaux. Donc on commence maintenant avec la présentation du premier site. Alors, premier site, c'est CoolROM. Donc ici, tu peux récupérer des ROM de jeux vidéo. Donc tu vois, les jeux vidéo, ils sont ici, tu vas dans Fichier ROM, tu récupères celui que tu veux, alors, tu vas à la console que tu veux, tu récupères n'importe quel jeu. Par exemple, moi ici, j'avais choisi pour exemple Tekken 3. Tu descends un petit peu de la page et là, tu vois, c'est marqué télécharger maintenant. Tu as également des émulateurs. Alors, le désavantage, c'est qu'en fait, la plupart des sites comme ça qui te proposent en fait d'avoir des émulateurs, ils ne t'intègrent pas le BIOS. Le système en fait qui permet directement de faire fonctionner l'émulateur. Alors il y a un site qui permet de faire ça, donc je vais te le présenter un petit peu plus tard. Et il te permettra en fait de faire l'intégration du SCH et du SCPH 7002 qui te permet en fait de faire fonctionner directement le BIOS en fait de l'émulateur. Donc on passe maintenant au deuxième site, c'est FreeROMs. Sur FreeROMs, là c'est pareil, tu arrives comme ça sur l'interface, tu choisis la console qu'il te faut, tu cliques par exemple ici sur N64, tu choisis la lettre du début du nom d'un jeu vidéo, par exemple ici le Z, là par exemple on a Zelda Ocarina of Time. Donc ça c'est un jeu que j'avais déjà fait la présentation auparavant. Voilà, tu peux le récupérer ici. Donc voilà, tu as vraiment pas mal de jeux hein, à tout fouiller parmi toutes ces consoles. Le troisième site qui te permet directement d'émuler en fait tout ce qui est Android, eh bien c'est BlueStacks, qui est un très bon produit sur le marché. BlueStacks qui installe toutes vos applications mobiles préférées sur PC, Mac et TV. Et il est gratuit lui aussi. Alors par contre, il faut savoir qu'il est quand même gourmand de ressources. Donc si vous avez un PC à petite capacité, en 32 bits, un vieux PC, c'est possible qu'en fait, il rame un peu. L'autre site ensuite que j'affecte tout particulièrement, c'est ROMStation. Alors ROMStation, par contre, c'est la version 2. Hein, parce qu'à la version 1, il n'est plus fonctionnel. Donc il faudra passer à la version 2. Donc c'est une mise à jour automatique. Hein. Donc lorsque vous arrivez en fait sur le site officiel, hein, directement, vous inscrivez. C'est gratuit. Et donc après, bah, vous aurez accès à différentes choses. Donc là, comme je vous disais tout à l'heure, ce qui est bien avec celui-ci, c'est qu'en fait, vous pouvez intégrer le BIOS, donc le SCH ou le SCPH 7002, qui correspond en fait à une version européenne. Donc en fait, le français, hein, tout simplement. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Donc là, vous descendez directement parmi les émulateurs. Ici, Dolphin, par exemple, pour la GameCube ou la Wii. Ici, SNES pour la Super NES. Nestopia pour la Nintendo. Voilà, bon, tu l'as compris, hein. Tu as vraiment tout. Et là, tu as également des jeux vidéo. Tu vas dans l'espace jeux et là tu vois, t'as vraiment le choix. Hein. Donc à toi de fouiller parmi tout ça. Alors maintenant voici la chaîne d'une personne qui fait des explorations urbaines, donc des urbex, hein, des ouvertures de box mystères. Il offre presque la moitié des box à ses abonnés. Et enfin il a quelques sujets divers, des trucs un peu fous comme les pires métiers du monde. Et là cette semaine, il recevait en fait deux nouvelles box geek, gaming rétro et gaming récente, figurine pop, des t-shirts et tout ça pour une valeur de 250 €. Et il allait faire un unboxing où il offre une grosse partie des boîtes à ses abonnés. Bon, ça c'était le 2 novembre, hein, donc cette semaine il faisait ça. Donc on va aller voir sa chaîne. Alors c'est Jérémy hein, en fait, hein, donc il a l'air vraiment sympa. D'ailleurs je suis déjà abonné à sa chaîne avec la petite cloche de notification, hein, tu le vois à droite. Donc je t'invite, toi, si vraiment t'aimes bien les jeux vidéo ou quoi que ce soit, et les personnes comme ça qui te font gagner des choses. Et en plus, tu vois, mine de rien, il fait quand même quelques vues au niveau de ses vidéos. Donc ça veut dire qu'il y a du potentiel. Donc si vraiment tu trouves sa chaîne
vraiment sympas en naviguant un petit peu partout. Donc là, on va aller dans son à propos, par exemple. Chaîne culturelle qui parle de sujets vastes, scientifiques, éducatifs, mais aussi artistiques. Et je fais aussi d'exploration et des défis. Donc là, t'as son adresse mail. Voilà, il y a sensiblement 2 mois qu'il fait du YouTube. Et tu vois, c'est exactement ça. Hein. Qui veut gagner des figurines, je vous offre des cadeaux. Voilà, donc ça a l'air d'être un gars vraiment sympa. En plus, j'ai regardé quelques-unes de ses vidéos l'autre jour. Et vraiment, c'est des vidéos vraiment de qualité dans son ensemble. Si ce qu'il fait, ça vous plaît, eh bien, vous vous abonnez avec les petites clochettes. Et puis, n'hésitez pas à aller voir eh bien, directement ses vidéos. Avant de partir, je vous le répète, les liens qui pointent en fait vers mon site, qui aura, il y aura tous les sites vers les émulateurs et ROM et tout ça, eh bien, ça sera directement en bas dans la description de ma vidéo et également dans l'espace commentaire. Donc, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter, partager ces vidéos. Et puis, moi, je vous dis, comme d'habitude, à la prochaine dans de nouvelles vidéos. Allez, salut !